Amen. Amen.
d'abord tout bon bilancé. Voilà Dieu. Alléluia. Wow, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je remercie le Seigneur. Dimanche passé, celui qui a donné coup ici, pour le, l'enseignement qu'il a donné, il a dit dans cette semaine, que cette semaine devienne une bénédiction pour nous. Et nous devons venir pour témoigner la grandeur de Dieu. Quand il a dit cela, tout le monde a prié et moi-même j'ai demandé que Dieu me bénisse. Je suis parti à la maison et le lundi, il y a quelqu'un qui lui a dit de venir prendre les cueillir les oranges avec lui et puis elle est partie le suivre dans un champ. Et quand elle est partie là-bas, il y avait une chèvre grande dans sa maison. Bon, le chèvre a disparu. Et elle a dit comment cette chèvre va se perdre comme ça. Dans le même semaine, le portail qu'elle utilise est perdu. Et quand je veux prier, j'ai dit Seigneur. Tu as dit même dans quelle situation de te remercier seulement. Et j'ai prié, j'ai demandé. J'ai dit Seigneur, que cette chef qui est perdue va me chercher cela. Que c'est telle personne, n'importe qui a pris cette chèvre, tout son cœur pour qu'il lâche mon chèvre. Et le mardi qui le suit, pas de créateur. Gloire à Dieu! C'est ce qu'on appelle la foi, ça. Ça dit que ce que Dieu lui a fait lui a rendu heureux, elle est heureuse, elle est venue témoigner la grandeur de Dieu. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore, qu'il fasse de plus grandes choses dans ta vie. Ok, un autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a dit, il y a un dimanche qu'elle est venue ici. Et elle est sortie, elle est rentrée à la maison. Quand elle est partie à la maison, elle est partie aller chercher des bois au champ. Et elle a un coucou en main, un machette en main. Et j'ai coupé les fagots, quelque chose a dit, il y a serpent dedans. Quand la voix lui a dit cela, elle a dit, il n'y a rien dedans. Et elle a coupé les bois. Et elle a pris, elle a coupé. Elle est partie encore prendre quelque part. Et elle a augmenté. Et quand elle a fini, elle a tout ramassé, elle a attaché. Et elle a mis sur sa tête. Elle ne savait même pas qu'il a serpent dedans. Et le serpent est sur ta tête. Alléluia. Amen. Et elle a amené le serpent à la maison. C'est le bois qu'elle a amené. Quand elle a amené le fagot à la maison, elle voulait préparer ça et ce qu'elle vend. Le soir, elle a mis un peu de fagot dans le four pour préparer. Pour prendre encore un autre seulement, le serpent a quitté le bois et elle a, aidez-moi, elle s'est attachée à ses bras. Et elle a fait comme ça. Elle a dit, c'est serpent, hein? Elle a dit, c'est serpent que j'ai transporté pour amener à la maison. Elle a commencé par chercher du bois pour tuer ce serpent.
Et elle a déjà cassé le bois en deux. Pour aller chercher autre bois pour tuer le serpent. Le serpent est là. Et elle a tué le serpent. Jésus puissant. Quand elle a tué le serpent, elle a chuté le serpent. La nuit profonde, le mari de sa belle-mère est venu le voir. Et il lui a dit, tu as arraché ma chose dans ma mère. Pourquoi tu m'as fait cela? On va voir. Une autre fois, on va se rencontrer. Elle a dit, je suis dans le sang de Jésus. Il n'y a rien qui est suprême à Dieu. Si elle peut combattre le Seigneur Jésus, elle peut le combattre. Et quand elle a parlé de cela, elle s'est réveillée. Alléluia. Amen. Et le mot de tête. Alléluia. Jésus. Amen. Elle veut parler encore. Il y a un jour, dans la semaine même, elle n'avait pas le mot de tête. Comme on met de scie dans quelque chose pour couper. Et le vent rentre au milieu de sa crâne. Elle a dit, c'est quoi ça là encore? Et elle a appelé le pasteur. Elle a dit, papa, il y a encore du vent qui rentre dans sa tête. Et le pasteur lui a dit, à telle heure, il faut m'appeler, je vais prier pour toi. Et quand l'heure est sonnée, elle a bipé le pasteur. Et le pasteur l'a appelé. Et lui a dit de mettre le potage sur l'oreille. Et qu'il va prier pour lui. Et quand il priait, elle s'est évanouie. Elle est tombée sur la natte. Et quand il a fini, il a prié pour moi, le mot de tête a disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est bon? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a encore des témoignages. Si vous n'avez pas moi, j'ai un témoignage. Amen. Amen. Le jeudi que j'ai quitté ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Je dis d'un gosse. Dieu m'a fait une grâce. Et je ne peux jamais oublier. Jamais. Le jeudi que j'ai quitté, je suis venu ici plus tôt. Jeudi d'un gosse. Après la veille, il y a une dame qui m'a appelé. Je m'en souviens bien. Elle me disait, j'ai vu, tu as fait accident. J'ai dit au nom de Jésus, je rejette. Dieu m'a déjà promis que je ne mourrai pas dans l'accident. Je ne dois pas mourir dans l'accident. Quand elle a parlé, j'ai banni cela. J'ai banni. Alléluia. Amen. Et le vendredi, vendredi, j'ai pris le chemin. Lorsque je partais, j'ai senti que je veux dormir sur la voie. J'ai commencé par avoir sommeil sur la l'engin. Je ne comprends pas. J'ai tout fait. J'ai gardé l'engin. J'ai fait comme ça. Toujours, c'est sommeil. Et j'ai vu un cabanon vendre des nourritures. Et j'ai payer quelque chose pour manger. En mangeant, je vois que la sommeil est parti. Maintenant, j'ai repris la voie. Pour venir à Webo, je ne sais pas comment le chauffeur a fait. Il a braqué le véhicule sur moi. Celui qui est derrière moi, il va me tuer. Il va tuer l'autre aussi. Il dort sur le volant. Et il a braqué sur moi. Boum, comme ça. J'ai feinté. Mais
c'est que je ne peux pas dire que c'est ce que j'ai fait qui m'a épargné de cela. Je ne sais même pas comment j'ai conduit et je me suis retrouvé derrière, et comment on dit, et au trottoir. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai constaté que le monsieur dormait sur le véhicule. C'est comme quelque chose l'a réveillé. Et il a braqué le volant. Celui qui est derrière moi, il dit, il va te tuer seulement. Moi-même, j'ai vu que tu es déjà mort. Et quand il te prend, il va prendre moi aussi. Vous voyez ce que Dieu m'a fait. Je dois remercier le Seigneur. Et je vais faire cet ensemble de grâce ici. Je dois le faire. Parce que la dame a vu. Je n'ai pas prié. J'ai banni seulement. Au lieu de prier, j'ai banni seulement. Mais Dieu m'aime. L'amour de Dieu est sur moi. Sinon, on va dire, Jésus est rentré dans Jésus revient. Et vous voyez, votre pasteur est rentré dans Jésus revient. Et on l'a tué seulement. Mais Dieu m'a épargné de cela. Et il va le faire plus que ça pour vous. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Avant d'écouter le message du jour, on va aller plus en avant. Ça reste encore. Ah, mais je n'ai pas entendu. Lève-toi. Viens devant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va doucement. Elle a dit qu'elle est venue le dimanche passé, les deux que vous avez envoyés, les pasteurs ont dit qu'ils vont, elle a donné une prière de bénédiction et dit qu'ils auront le résultat dans la semaine. Vas-y. Il dit, j'ai une souffrance dans le cœur, ça fait déjà longtemps. Et je prie beaucoup. Et je n'ai jamais eu la solution pour ça. Mais le dimanche que je suis venu à l'église, elle a dit qu'elle a trouvé la réponse et elle veut que ses frères soient en prière pour que Dieu fasse le reste. C'est ça, que le Seigneur te bénisse. Prions, remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais qu'on nous amons. Jésus. Prends ton offrande de ta dîme. Prends ta dîme et ton offrande. Passe. Oh,
Grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, le Dieu qui répond au milieu du buisson Adam, devant Moïse, Dieu qui s'est présenté comme je suis. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même, celui qui a existé par lui-même, celui qui n'a pas été créé, celui qui existe pour toujours, pour l'éternité, qui n'a pas de fin. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je vais te bénir, je vais te magnifier, je vais t'exalter, je vais te donner gloire, gloire et honneur, parce que tu es descendu ici, dans ton église, à Zakota ici, pour sauver ton peuple, pour libérer ton peuple du joug du péché. Seigneur Jésus, tu nous as dit, allez vers des nations, mes disciples, à les enseignants. Seigneur Jésus, ton peuple est mobilisé pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, viens dire un mot à ce peuple qui a soif de toi, qui a faim, qui cherche de la nourriture pour leurs âmes. Seigneur Jésus, apporte-leur de la bonne nourriture pour que leurs âmes soient en bonne santé. Oh Seigneur Jésus, que ton esprit, l'esprit saint, descend en ce lieu. Tout esprit ici présent qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit ligoté, qu'il soit enchaîné, jeté dans les abîmes. Au nom de Jésus, Seigneur, prépare les cœurs comme un champ que tu as préparé pour recevoir de la bonne semence. Seigneur, prépare ces cœurs. Seigneur, la parole qu'ils vont écouter, que ça nourrit leurs âmes pour les libérer de leur joug. Ta parole libère. Ta parole guérit, ta parole délivre, ta parole restaure. Seigneur Jésus, viens opérer par ta parole dans la vie de tes enfants. Ta parole est aussi lumière. Que ta lumière, lui maintenant, pour chasser les ténèbres dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre vie. C'est encore une joie pour moi. Une joie pour moi que je sois encore à Zakota ce matin, dans la maison de Dieu.
cette maison oui, là. Que le Seigneur a mis ici et moi aussi, pour vous, vous regrouper, là, c'est pour vous mobiliser, pour vous préparer pour le ciel. Cette maison, oui, là. C'est comme un guichet. Et un guichet d'inscription. On vient s'inscrire. Si quelqu'un dit, ah, moi je vais aller au ciel, où est-ce que je vais m'inscrire? On va lui dire d'aller à Jésus revient à Sakota. Alléluia. Amen. Donc vous êtes venus ici pour vous inscrire. Parce que vous voulez aller au ciel. Je ne crois pas que vous êtes venus ici parce que vous avez entendu parler. De l'homme de Dieu Israël. Je ne pense pas. Je suis sûr que c'est parce que vous avez entendu parler de Jésus. Qui est venu ici à cause de Jésus? Mais quand fille de Jésus qui cause à main. Jésus où tout est fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu viens ici et tu ne trouves plus jamais l'homme de Dieu Israël. Mais qui va continuer de venir ici? Mais quand tu viens ici, tu ne le trouves plus. Ou bien c'est ton Dieu. Bon, celui pour qui il est Dieu là n'a qu'à lever le doigt. Mais si c'est ton Dieu là, il faut lever le doigt ici. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Si c'est l'homme que tu vas suivre pour adorer Dieu et ceux qui sont à côté de nous. Voilà que moi je suis ici maintenant. Donc, elles aussi vont rentrer à la maison. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que apôtre Paul a mis sur pied des églises. Il a installé des églises. Et quand il a installé des églises, il va envoyer des serviteurs. Que ça soit Timothée ou que ça soit Apollos ou que ça soit Silas, il les envoie. Ils vont passer quelques moments là. Il va encore les déplacer pour les amener encore ailleurs, les envoyer encore ailleurs et envoyer une autre personne. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. L'église de Jésus. C'est comme ça. Ça se dirige. Mais si vous placez tout votre cœur sur un homme, il devient votre idole. Alléluia. Ça veut dire que si toi tu ne trouves pas celui-là, toi tu n'adores pas Dieu. Donc Jésus ne va plus t'écouter. Ça veut dire que c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Alléluia. Amen. Donc il faut que petit à petit, vous commencez par enlever ça de votre tête. Alléluia. Nous sommes tous de passage. Moi-même, je suis de passage. Vous voyez, la semaine prochaine, les frères et sœurs, ils sont au Sénégal. Et vous voyez, depuis plus de un an et demi, ils ont seulement entendu parler de Jésus revient à la télé. Ils ont commencé à prendre contact avec moi. Et j'ai pris leur numéro, Et je les ai regroupés dans un groupe. Alléluia. Et j'ai nommé Jésus revient Sénégal. Et quand je les ai mis ensemble dans le groupe, entre eux-mêmes dans le groupe, ils ont commencé par prendre contact. Et toi, tu habites où? Et toi, tu es dans quel quartier? Et est-ce que toi, tu es à Dakar? Et toi, tu es dans quel quartier? Et ils ont commencé par prendre contact entre eux-mêmes dans le groupe. Sans me voir. Parce que ils savent que
Quand on dit Jésus revient, Jésus revient, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. C'est pas Jean Grassier. Ils n'ont pas besoin de me voir avant de s'organiser. Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Ils ont commencé. Après contact, et petit à petit, 5 se sont regroupés, 10 se sont regroupés, 20 se sont regroupés. Et aujourd'hui, il y a l'église, Jésus revient. Au Sénégal, à Dakar, au Sénégal. Et ils se réunissent depuis. Depuis, sans me voir, sans jamais me voir. Et c'est pour la première fois que nous avons annoncé pour aller les visiter, acclamer Jésus pour eux. Donc toi aussi, sache que le serviteur de Dieu Israël va te quitter ici un moment pour aller encore ailleurs. Jésus va encore aller l'utiliser ailleurs. Alléluia. Amen. Donc si tu ne le vois pas, tu restes à la maison. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Ah, s'il vient, je vais vite me laver. Si tu fais comme ça, tu es malheureux. Tu es malheureux. Alléluia. Parce que l'évangile doit s'éparpiller sur toute la terre. Ça doit s'éparpiller sur toute la terre. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, il y a du travail. Le champ passe. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc, un seul ouvrier là ne peut pas rester sur place. S'il reste sur place, la mission sera confinée. Alléluia. Donc vous avez déjà la grâce. Mais Dieu fait nous que la vie vous a déjà visité. Et vous connaissez déjà le bon grain de l'ivraie. Vous connaissez déjà le nom de Jésus. Mais il y a encore des gens. Même quand nous prenons le zoo même, il y a des villages où les gens ne connaissent pas encore le nom de Jésus. Mais nous devons parcourir ces lieux-là. Alléluia. Nous devons parcourir ces lieux-là. Il y a des villages qui sont pris en otage par les sorciers. Et nous devons apporter la parole de Jésus pour libérer ces âmes-là. Alléluia. Amen. Mais vous êtes déjà libéré. Vous là où vous êtes là, vous avez déjà la puissance de Jésus en vous. Parce que la Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Donc toi tu as déjà cru à Jésus. Mais là il reste des gens qui ne croient pas encore. Donc nous devons apporter la parole vers ceux là qui ne croient pas encore. Donc, en notre absence, en l'absence du serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester à la maison. Alléluia. Amen. Maman, combien de personnes tu as déjà parlé de Jésus à Zakota ici? Mais la même des gars où tu as Jésus bon. Et son bouillard. Oui, Kawa. À moi, il y a. Et tu l'as dit tout. Alléluia. Jésus, des sous-bouillons noirs, en son temps, il a parlé à beaucoup de personnes. Jésus, c'est Renoué, il a expliqué. Mais nous devons continuer à travailler. Mais quand nous allons quitter Sénégal. Oui, Sénégal, vous voyez. Nous allons revenir ici en force. Alléluia. Et on va organiser de grands croisades. Et nous allons organiser de grands moments de réveil. Nous allons envahir Zakota avec la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous allons envahir Zakota avec l'évangélisation. Qui est prêt à évangéliser ici? Mais ce que vous m'avez dit à moi. Alléluia. Nous allons évangéliser pour Jésus.
maintenant la mort de Jésus. Parce que ce que Jésus mérite, c'est ça. Que Jésus il ne veut pas ta pâte. Et Dieu me l'année au abro. Il ne veut pas ta viande. Et le rentrer bas. Ce qu'il veut pour toi. Ce qu'il t'a fait. Tu dois aller annoncer aux autres. Tu as témoigné ici, non? Mais normalement, ce témoignage là, c'est pas ici seul que tu vas donner. Tu dois aller donner dehors. Tu vas dire, hey! Mon ami, tu sais ce que Jésus m'a fait la dernière fois? Jésus va m'y aider. Moi, je suis allé chercher un fagot de bois. Et il y a serpent dedans. Et le serpent ne va pas mordre. Parce que j'ai Jésus en moi. Tu as déjà témoigné de Jésus. Alléluia. Tu as déjà témoigné de Jésus. Mais quand tu dis ça ici seul, c'est limité. Alléluia. Parce que dehors, il y a déjà qui ont encore peur de serpents. Mais quand toi tu vas dire ça à côté de quelqu'un, toi tu as quel pouvoir? C'est quoi ton secret? Là vous allez là. On vous donne quelle puissance? Tu vas lui dire ma puissance. C'est dans le nom de Jésus. Jésus Christ, amen. Amen. C'est ça ce que nous devons aller témoigner. Et c'est ce que tu dois témoigner aussi. Ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois aller dire dehors. Tu dois aller parcourir même les villages. Tu dois crier de toute ta force. Pour le dire. Comment Jésus est merveilleux. Comment Jésus est doux. Comment Jésus est mielleux. Alléluia. Amen. Tu dois le dire. Alléluia. Donc voilà, c'est pour vous dire que faut pas concentrer votre cœur, votre pensée sur une seule personne. Jésus va envoyer 1000 personnes ici. Parce que cette bergerie là, c'est pour Jésus. C'est pas pour un homme. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour Jésus. Donc placez votre confiance sur Jésus. Et les enseignements qu'on vous donne, les paroles qu'on vous donne, il faut que ça s'aide dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour l'obéissance de plusieurs qui, depuis que nous étions de passage, on a prêché sur des ornements, les accoutrements de Jézabel, les boucles d'oreilles et tout ça. Plusieurs ont enlevé. J'ai vu que c'est que presque toute la salle ont obéi à ça. Seulement, il y a quelques mamans, je ne sais pas si c'est après, ils ont appris ça. Bon, ils sont venus avec eux et je les ai déjà fait signe, elles ont enlevé. Si vous avez enlevé, il faut l'enlever depuis votre cœur et ne le portez pas. Je vous le dis en vérité, le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Et tu ne peux pas entrer au ciel avec un petit truc de Satan. Et si tu rates le ciel, il n'y a pas, Seigneur, fais-moi pitié, je vais revenir sur la terre. Non. C'est que si tu rates le ciel, directement, l'enfer. Qui vient aller en enfer ici? Je ne vois pas ça. Qui vient aller au ciel ici? Alléluia. Amen. Donc, pour aller au ciel, c'est l'obéissance. Et la parole dit, on n'avait pas encore obéi. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Tout ce que Dieu déteste, vous devez détester. Tout ce que Dieu refuse, vous devez refuser. Et mener votre vie à la crainte de Dieu. Dans le tremblement devant Dieu. Quand on parle de Jésus là, c'est que ouais, un enfant qui fait quelque chose. Le pauvre de c'est comme ça. Quand vous entendez le nom de Dieu, c'est Dieu, c'est comme ça, vous devez trembler. Avec crainte. Alléluia. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il a tout donné pour vous. Parce qu'il s'est sacrifié pour vous. Il a payé le prix. Ce que ton papa ne peut pas payer. Qui est ici? Et son papa va aller
accepté mourir à sa place. Mais et son papa l'aime tellement. Il va accepter mourir à sa place. Il y a personne. Mais les filles. Alléluia. Amen. Ouais. Il n'y a personne. Personne ici que. Mais lui, le fils. On veut te tuer. Elle m'a dit bon. Alors, dis-on. Qui va prendre sa place. Il y en a, il tombé, ou bien on veut te on veut te mettre on veut te on, peut-être même tu es mort, on veut te mettre dans la tombe. Allô, et à quoi, oh, ta il maman sera en train de on va te mettre dans le trou et on va le ramener à la vie. Et toi, tu vas aller à sa place. Alléluia! Acclamons pour Jésus. Alléluia! C'est ce que Jésus a fait pour toi. Nous sommes déjà morts dans nos péchés. Nous sommes morts. Hein. C'est pas que nous sommes demi-morts. Nous sommes complètement morts. Condamnés pour l'enfer. Et il n'y a plus rien. Le décret est déjà signé. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc tous ceux qui ont péché sont déjà morts. Donc nous sommes déjà des cadavres ambulants. Nous sommes morts. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien pour nous. C'est fini, enterré, calé. Mais Jésus-Christ, il s'est levé et il a dit, même s'ils sont morts, je vais aller prendre leur place dans le tombeau. Et il est descendu sur la terre et il a pris corps. Et il s'est sacrifié. Et il a pris notre place. Et il est mort pour nous. Et quand il est mort pour nous, c'est alors que nous avons pris vie. Et c'est cette vie que nous vivons. C'est pour ça que le sorcier ne peut plus nous embêter. Alléluia. C'est pourquoi? C'est parce que Jésus est déjà mort. Alléluia. Amen. Il est allé dans le séjour des morts. Il a arraché la clé dans la main du prince du séjour des morts. Et il a dit aux morts, où est ton pouvoir? Quoi le pouvoir que tu détiens pour garder mes enfants en prison? Acclamons pour Jésus. Et tu n'aimes pas Jésus, c'est grave. Jésus a tout fait pour toi. C'est à cause de Jésus que tout ce que les sorciers planifient dans ta famille contre toi, ça ne marche pas. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es cadavre. Donc c'est pour vous dire que la parole que vous écoutez, mettez-la en prière. Je vous en prie. Alléluia. Moi, je suis content que beaucoup sont encore venus comme ça. Parce que je dis, à cause des problèmes de boucle d'oreille, beaucoup vont rester chez eux. Beaucoup vont dire, ah, si c'est ce Jésus-là, il va garder le Jésus. Mais vous avez obéi et vous êtes bénis. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, il y a encore des petits détails. Parce que la sanctification, ça doit se faire au jour le jour. Et de temps en temps, quand vous priez, demandez au Seigneur, qu'est-ce qui reste encore que je dois faire pour ne pas rater. Parce que je vous dis, le ciel est le lieu le plus beau. C'est la meilleure destination de tous les temps. Alléluia. Je vous ai déjà dit que le temps que tu vas passer sur terre, c'est un temps limité. Le temps que tu vas passer sur terre, même si tu vas passer 100 ans sur terre, là, devant Dieu, ça n'atteint même pas une seconde. Parce que ça fait 1000 ans devant lui.
devant lui, quand on va compter mille ans, devant lui, ça fait un jour. Alors que quand on va dire mille ans, ça fait le papa de ton papa, 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 de ton papa. Hey! Génération en génération en génération en génération en génération en génération. Alléluia. Oh, devant Dieu là. Ça passe seulement. C'est bon. Parce que lui, il n'a pas du fait. Il est pressé de venir. Il n'est pas pressé du temps. Parce que le temps lui appartient. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler que. Voyez, j'ai vu que vraiment beaucoup ont fait beaucoup d'efforts. Nous Je prie que beaucoup, il faut que vraiment vous persévérez encore. Il faut que les habits que vous portez, ça couvre réellement. Alléluia. Parce que votre corps, le Seigneur veut que vous couvrez. La femme doit couvrir. Alléluia. Les hommes aussi doivent s'habiller décemment aussi. Pas que les hommes s'habillent de façon soigneuse. Voyez mon ami, viens. Voilà. Swagman, ça c'est Swagman, mon ami. Je vais, par la grâce de Dieu, le Seigneur va t'habiller correctement. D'accord. Le Seigneur va t'habiller correctement. D'accord. Il faut enlever ça là. Ça c'est Swagman. D'accord. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Voyez. Donc il ne faut pas s'habiller Swagman. Quand tu vas désormais chez le coiffeur, faut plus lui dire de mettre un ray comme ça dedans. Quand il dit de mettre un ray là, ça va directement en enfer. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle là, je vous dis, jetez un voilou. Je vous dis, je suis ce qu'on appelle un Nicadier. Anikadie bi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'étais. Tu vois. Voilà. Voilà. Et je fumais là dans mes yeux rougis comme ça. J'étais un faux. Donc, je sais pas que je n'ai jamais été dans ça et je vous parle, non. C'est moi comme ça, il n'a pas peur. Voilà. J'étais ça. À la gare. Voilà ce que j'étais. Quand c'est, si c'est vrai là, moi quand je fais coiffure là, je mets comme ça. Quand tu vois, tu vas penser que j'ai tressé. Et je portais boucle d'oreille comme ça. Voilà. Et vous voyez, chaîne que je porte là. Chaîne, c'est mon corps. C'est ça. Et je faisais hypophère. Donc, tu vois, mon ami. Donc, j'étais comme ça. Tu vois. Voilà. Mais tout ça, là, il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie dedans. Quand tu es dans ça, c'est la mort. Hein? La Bible dit tel chemin paraît juste pour les anciens. Mais sa destination, c'est la mort. Dans le chemin que nous avons pris hier, le chemin du monde, le chemin de la mondanité, c'est le chemin de la mort. Et quand tu es dedans, la chair éprouve de plaisir. Quand tu es dedans, voilà, porté, dit, déchiré. C'est moi le soir, yes. Ah, c'est Vakota ici, hein. C'est moi le fils. Fils de quoi? Fils de l'enfer. Nous comptons,
Alléluia. Il faut se repentir. Vivre dans la crainte de Dieu. La crainte doit être profonde même. Et Dieu sur son trône, quand il te voit là, c'est que j'ai une fille sur la terre. J'ai un enfant qui me craint sur la terre. Et quand il entend parler de moi, il tremble. Il se répand. Il abandonne. Il apprend que telle chose, c'est pas bon pour le chrétien. Alléluia. Donc voilà, c'est des choses importantes que vos habillements soient puissants. Que vous soyez des modèles. Des modèles de chrétiens. Alléluia. Voyez ma maman. Lève-toi, les autres vont te regarder. Non, la maman là. Hein, voilà, voyez comment elle est habillée. Voilà. Hey, acclamez Jésus pour sa vie. Hey. Faut couvrir ton corps. Si tu es femme mariée là, si tu vas au lit avec ton mari, ça c'est, tu peux te mettre, tu peux même enlever ta peau. Alléluia. Mais quand tu viens dehors, il faut savoir que ton corps n'est pas public. Ton corps. Tu es caché, ton mari seul. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et il y a certains aussi, le Seigneur me dit que c'est pour venir à l'église qu'ils enlèvent les boucles d'oreilles. Parce qu'ils ont appliqué, bon, on ne va pas porter les boucles d'oreilles. Donc, pour venir à l'église, là, ils enlèvent ça. Qui fait ça ici? Le Seigneur va te pardonner. Qui fait ça? Qui a fait ça? Mais quand même, tu es sûr que tu as tout brûlé? Tu es sûr? Alléluia. Amen. C'est très important. Vous abandonnez quelque chose là. Maintenant, il y a autre chose. Le jour là, j'avais parlé de, comment dirais-je, il y a des images sur même des habits que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Oh, dessin de mon dos. Alléluia. Les démons que nous chassons là. Il y a des gens même qui sont en alliance avec ces démons. Et quand ils fabriquent leurs choses là, ils vont tout faire pour mettre les images de ces démons-là. De ces habits-là. Quand vous portez, plusieurs fois dans la délivrance, les démons refusaient de partir. Parce que telle personne a porté telle chose là. Lui refuse de partir. Parce qu'il a quelque chose entre les deux. Et la personne doit enlever d'abord ça. Alléluia. Donc les avis que vous pouvez. Vérifiez si quelqu'un dit ça. Voyez, je donne l'exemple. Maman, excuse-moi. Regardez ce qui est dessiné sur l'habit que maman a porté. Maman, est-ce que toi-même tu connais ça? Lève-toi, on va voir. S'il te plaît, je vais te déranger. Le Seigneur va te libérer. Sois béni. Regardez très bien ce qui est porté sur l'habit. Regardez, vous voyez un esprit. C'est qu'on ne connaît pas la chose, mais c'est ça. Et l'image d'un démon. C'est l'image d'un démon. Vous voyez, regardez ce qui est. Homme de Dieu, viens voir. Vous voyez, on a fait l'image. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris couteau. On l'a poignardé. Poignardé au dos. Poignardé. Donc il a reçu 6 couteaux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tout, tu m'as dit. C'est comme ça que son âme est poignardée. On a cette douleur. Rien n'est au hasard chez le diable. Les bacs de Timo, ils vont un démon qui a des poignards au bas. Il sort du bofibi. Vous voyez ça?
Je suis sûr que tu ne savais pas avant de porter. Tu connais à ton moment. Mais désormais, toi, maintenant, je sais qu'avant de payer un habit, même si on te fait un cadeau là, tu vas regarder. Alléluia. Il faut vérifier. C'est là, par exemple. C'est à vous. D'accord. Alléluia. La sœur là aussi. C'est. Voyez les images qui sont dessinées sur l'habit là. C'est les têtes des démons. Voyez. Tout ça c'est des démons. Nous sommes dans un monde tellement dangereux. Et si nous n'avons pas le discernement, si nous ne voyons pas les choses au-delà de comment le monde voit les choses, nous allons même habiter les démons à la maison. Et nous serons tous les jours en train de dire fais. Alors que c'est nous-mêmes qui avons hébergé les démons à la maison. Alléluia. C'est des choses très très importantes qu'il ne faut pas négliger. Il y a des tissus sur lesquels ils décident 666. Quand tu prends dans la Bible, quand on parle de 666, c'est le chiffre de Satan. Donc tous ceux qui portent quelque chose sur lequel on a écrit 666 là, 666. La personne est en train de dire que moi j'aime Satan. Mais le Dieu, on ne l'est pas. Oh, Satan, c'est à détester. Tous les bons jouent à des codes. Alléluia. C'est à détester. Et à des codes. Alléluia. Donc, veillez sur vos âmes. Quelqu'un va vous voir. Jésus-Christ veut vous voir au ciel. Il donne le concours dans le ciel. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Et si vous êtes dans sa barque, vous devez écouter la vie. Et vous devez prier pour qu'il vous donne le discernement. Moi, j'ai l'humain. Pour que vos âmes ne soient pas perdues. Alléluia. Donc voilà une petite exhortation avant que nous n'allions directement sur le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous. Alléluia. Le message d'aujourd'hui a pour titre le chrétien et le salut. Le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle du salut en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela fait? Ce salut-là, est-ce qu'on peut la perdre? Alléluia. Est-ce qu'un chrétien, il peut arriver qu'un chrétien rate le ciel? Et là, Dieu va crier ça qu'on a voulu. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà le thème que l'Esprit de Dieu va nous aider à développer. Pour que vos yeux puissent mieux s'ouvrir. Parce que la parole déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Quand nous parlons du péché, du salut, quand nous parlons du salut, c'est le fait que un pécheur qui est délivré du joug du péché, lavé de ses iniquités, sauvé de la mort éternelle, racheté de l'enfer et justifié par l'œuvre salvatrice de la croix. C'est ce que nous pouvons appeler salut. Le fait que quelqu'un a été sauvé par l'œuvre salvatrice de la croix, c'est-à-dire qu'il a couru, il a accepté et il s'est engagé avec Jésus. On peut appeler celui-là, il est sauvé. Parce que il était dans les chaînes. Et Jésus-Christ l'a libéré. Alléluia. Amen. Le salut est destiné à tous les hommes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ
et qui confesse Jésus-Christ comme sauveur personnel, tout cela, ils sont destinés au salut. Et le salut leur est destiné. Dans Jean chapitre 3, il a demandé à notre frère de nous lire ça. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Bien sûr, mon tato, ça m'a fait donc le mot. Dans le nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé. À fond. De ma oui, on a nous bête en somme. Bon sort vidéo, bon entendu. Bon nous, mais n'a dit nous, il est de vous marquer. Lors, il est mon père, ma maman. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Moi, il m'a oublié. Il a donné son fils unique. Autrement dit, il s'est donné. Et il s'est son Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais que la personne ait la vie éternelle. Donc, celui qui croit en Jésus, c'est celui-là qui ne va pas périr. Mais s'il ne croit pas, ça veut dire qu'il va périr. Alléluia. Ça veut dire qu'il va périr. Mais quand on parle de périr, c'est l'enfer. Alléluia. Donc cette parole veut dire que quiconque ne croit pas en Jésus-Christ va périr. Mais on a donc, quelle que soit sa religion, quel que soit tout ce qu'il est. Celui-là, il est perdu. Je vous le dis en vérité. Tous les hommes sont des pécheurs. Et sont condamnés par le sang de péché d'Adam. Qui coule dans leurs veines. Le jardin d'Éden. Où nos pères. Ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Le péché est rentré en eux. Alléluia. Amen. Et la condamnation est rentrée en eux. Bon, la mort est rentrée en l'homme. Et nous portons le même germe, le même ADN, le même sang coule dans nos veines. Donc, si nous venons sur la terre, et nous ne confessons pas Jésus-Christ pour qu'il change notre identité spirituelle, pour qu'il change notre ADN, c'est que l'ADN de condamnation, l'ADN de péché est en nous et nous sommes condamnés. Alléluia. C'est pour ça dans Romains 7 verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est depuis le jardin d'Éden, que l'homme a péché, que le péché est rentré sur la terre, et ça pourrit la terre, et toute la terre est pourrie. Et quand Dieu regarde la terre, il ne voit que du péché. Regardez, le monde est envahi par le péché. Aujourd'hui, l'homme s'amuse dans le péché. Vous allez voir des gens commettre les choses les plus abominables. Des choses les plus abominables. Un homme va prendre son propre fils. Il va tuer. Un homme va prendre son fils, sa fille. Et coucher avec lui. Les choses, le monde est devenu sale. Maman. Le monde est sale. Je vous dis, le monde est sale. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, si vous n'êtes pas ancré en Jésus-Christ, c'est que vous êtes dans cette saleté. Vous êtes dans cette condamnation. Et vous portez les gènes
les germes de cette condamnation. Romains 3, verset 23, dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, tous les hommes sur la terre sont dans le péché. Et c'est la condamnation. Bon, la mort, c'est ce qui est destiné à l'homme. Depuis Adam et Ève, Adam, il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Il n'y a même pas un seul. Mais Dieu, à cause de son amour, il a élaboré un plan. Un plan parfait pour sauver l'homme. Le plan de la rédemption. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par ce plan, Dieu tend la main à toute l'humanité. Dieu tend la main à l'homme. Malgré l'état de péché de l'homme, Dieu tend la main à l'homme pour que l'homme se rapproche de Dieu. Pour une réconciliation. Et ce plan consiste à effacer définitivement nos péchés. Tous les péchés des hommes qui acceptent cette main tendue. C'est d'ailleurs cet appel solennel qui a été lancé à la croix de Golgotha où Jésus-Christ a écarté ses deux mains. C'est pour embrasser le monde entier. Par son amour, il a écarté ses mains sur la croix. Venez. Est-ce que l'homme a écouté? Mais lui, il est disposé. Pour sauver l'homme. C'est pour ça qu'il dit dans Esaïe 1:18. Il dit, venez et plaidons. Dit l'Éternel. Dit Jésus-Christ, si vos péchés sont comme le cramoisi, quel que soit le péché, l'état de péché de l'homme, Jésus-Christ dit, il va le laver et il deviendra comme blanc comme la neige. S'ils sont rouges, ils deviendront comme la laine. Le peuple de Dieu. Cet appel vient d'un amour profond que Dieu a pour l'homme. C'est pour ça que le plus grand braqueur de ce siècle, dès qu'il prend la décision de donner sa vie à Jésus, le jour là même, tout de suite là, son nom est effacé du livre de la mort. Son nom est effacé du livre de l'enfer. Celui qui donne n'a qu'à crier Alléluia. Mais à mon avis, Alléluia. Alléluia. Ah! De jamais. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Faut pas dormir. Madame Laure, quand tu dors, c'est quand tu es en train de dire à Dieu, je suis fatigué de ta parole. Si tu te sens fatigué, même toi, si tes deux pieds. Regarde, quand imagine que même le maire de la commune de Zakota vient ici. Et il est en train de parler. Toi, tu te classes. Donc, est-ce qu'il sera content? Avinia. Il ne sera pas content. Avinia. Alléluia. Encore pire, si le président de la République vient ici. Et il présente le talent à la fille. Et il part. Toi, tu te classes. Oui, mon doré. Avinia du camion. Alléluia. Mais celui qui est ici, il dépasse le maire de Zakota. Il dépasse le président de la République. Acclame Jésus. Alléluia. Donc si tu te mets à dormir devant le roi des rois, c'est un mépris.
faut demander pardon tout de suite. Alléluia. Il faut demander pardon tout de suite. Il ne faut plus jamais dormir dans la présence de Dieu. C'est un mépris vis-à-vis de Dieu. C'est comme si tu méprises. Alléluia. Donc nous poursuivons. Le Seigneur tend la main à l'humanité. Depuis la croix de Golgotha. Et il dit, venez et prenez. Venez, nous allons discuter. Nous allons nous réconcilier. C'est vous qui avez péché pour moi. Mais moi, je suis prêt à vous pardonner. Mais il faut que vous veniez. Mais il faut que vous vous repentez. Il faut que vous abandonnez le péché. Je vais vous pardonner. Alléluia. Alors, comment obtenir le salut de la part de Dieu? Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Romains, c'est Romains. Et Halo. Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Il est écrit. Enfant. Do e a son utoe do. Azen utoe. Do e a son utoe do. Do. Do do na do mebi nuko. Do na do mebi nuko. Do na do mebi nuko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est que à cette date, tu confesses de ta bouche, tu prends la décision par ta bouche que oui, Seigneur, je crois en toi. Je t'accepte dans ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu dis ça, tu seras sauvé. Et si tu crois dans ton cœur que effectivement il est venu sur la terre et il s'est sacrifié, il est mort en versant son sang, et le troisième jour il est ressuscité, si tu crois cela dans ton cœur, la Bible dit que tu seras sauvé. Le salut, c'est ça. Tous ceux qui accepte Jésus et confesse son nom, mais quel que soit leur péché, quel que soit le crime qu'ils ont commis, quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait, quel que soit le nombre d'hommes avec qui tu as couché, quel que soit le nombre d'hommes que tu as escroqué, et tu prends cette décision et tu demandes pardon, la Bible dit que tes péchés te seront pardonnés et tu seras sauvé. Alléluia. Alors tu dois donc reconnaître que sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune autre possibilité d'obtenir le pardon de tes péchés. Il n'y a rien. Ton chef féticheur ne peut pas t'accorder le salut. Ton papa ne peut pas t'accorder le salut. Il ne peut pas. C'est quoi? Ton mari ne peut pas t'accorder le salut. C'est Jésus seul. Jésus c'est lui seul, seul. Jésus qui en avait. Alléluia. Amen. Il y a un grand ma pia oui. Jésus nous ouais. Ouais, les grand ma pia oui. Amen. Alléluia. Le Wellington, le Sauveur. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Wellington, c'est un.
Le seul nom, c'est Jésus. Sur toute la planète Terre. Même si tu vas en Chine, le seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. C'est pas le nom de Saint Polissa. C'est pas le nom de Sapata. C'est pas le nom de Dan. C'est pas le nom de Gou. C'est pas le nom de Bouddha. C'est pas le nom de Allah. C'est pas le nom de Mahomet. C'est pas le nom de Vierge Marie. C'est pas le nom de Saint Joseph. C'est pas le nom du Pape Vatican. C'est pas le nom d'un homme. Aucun autre nom. Ne peut sauver en dehors du nom de Jésus. Donc c'est ce nom que tu dois garder. Tu dois l'attacher dans ton cœur. Tu dois semer dans ton cœur. Et tu dois le garder. Alléluia. Que rien n'arrache ce nom de ta bouche et de ton cœur. Si tu te réveilles, c'est ce nom. À fond, si tu veux dormir, c'est ce nom. Que ce nom soit seulement dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que dans Actes 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été dormi parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est uniquement, exclusivement par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ça le secret du salut. Le mystère caché dans le salut, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, quelle doit être l'attitude de celui qui est sauvé, celui qui a expérimenté le salut en Jésus là, quelle doit être son attitude, comment est-ce qu'il doit se comporter? Alléluia. Je vais vous dire en vérité, nous devons savoir que le péché c'est un fardeau qui pèse très lourd sur nos âmes. Je te dis en vérité, tu as vu la manière dont l'image que j'ai montrée, on a vu l'image qui est poignardée. Il faut savoir que quand tu commets un péché, tu as vu, ça fait six poignards. Toi devant, toi derrière. C'est l'image. Quand l'on pêche, si tu mens aujourd'hui, toi, tu mets un coup de poignard là. Le poignard est là. Tant que tu ne confesses pas, et demande pardon là, le poignard est là. Mais le moment que tu reconnais que c'est un péché et tu confesses, il va enlever ça et mettre son sang dedans. Il va te pardonner, il va te guérir, mais tu ne confesses pas, tu ne sais même pas que c'est un péché. Ça te dit, le poignard est là, exactement comme l'image est là. Et ton âme, ton âme sait. Le poignard est là. Et en dehors du mensonge, tu tombes dans la colère. Bah, tu as encore mis un autre poignard. Ah, tu as encore poignardé. Ton âme souffre. Ça gémit. Tu vas tomber dans la médisance. Oh,
C'est la vérité. Chaque fois que tu commets un péché, tu donnes de poignard. Je te dis. Tu tombes dans le mensonge. Tu vas regarder pornographie. Télévision, mais allô. Portable. Tu vas regarder feuilleton. Tu es en train de tuer ton âme, de torturer ton âme. Mais là, allez, pas parce que c'est esprit. Donc tu le fais souffrir. Au moment où tu es en train de livrer ton ta chair au péché, tu es en train de le faire souffrir. Je te dis. La manière dont tu es physiquement, ton corps est comme ça là. C'est exactement ton image spirituellement. Donc tout ce que tu es en train de faire dans ta chair et qui représente un péché en esprit, c'est que tu es en train de poignarder ton âme. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le temps tu n'étais pas repenti pour que le sang de Jésus guérisse ton âme, pour que tu abandonnes le péché, demandez pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Le jour où tu confesses, le Seigneur, vraiment, je reconnais avoir tombé dans la colère. Si tu confesses ce péché, on va enlever le couteau de la colère, le poignard de la colère. Ah, mensonge. Seigneur, je demande pardon pour le mensonge que j'ai commis. On enlève le poignard du mensonge. Oh Seigneur, oh, j'ai regardé porno la dernière fois. Seigneur, je demande pardon. Oh, mes yeux sont souillés. On enlève le poignard. Et chaque fois, tu dis, oh, lave-moi par ton sang. Jésus, il va mettre son sang pour te laver. Pour guérir ton âme, pour guérir ton âme, pour guérir ton âme. Et plus tu pries, plus tu marches dans la repentance, plus ton âme sera restaurée. Ton âme sera restaurée. Ton âme sera restaurée. Ton âme restaurée. Mais plus tu continues dans le péché, tu es toujours en train de le torturer. Jusqu'à ce que le jour tu meurs, le jour tu meurs, ça la repentance. Regarde les nombres de coups d'épée que tu as donné à ton âme. Le nombre de coups d'épée que tu as donné à ton âme. Le nombre de que tu as donné à ton âme. Le nombre de péchés, le nombre de coups d'épée que tu as donné à ton âme. Viens pas. Le fils ne vient pas. Il ne vient pas. Et tu vas prendre la direction du portail du ciel. Arrivé là. Il va te dire non. On va te dire, c'est vers là-bas. C'est vers la gauche. C'est vers la gauche. L'enfer. Sommet. Et tu vas rentrer en enfer. Et dans l'enfer là, c'est que le feu ne va pas te brûler, tu vas disparaître, c'est pas ça. Les coups d'épée seront là. Si tu es là, et tu seras encore torturé en enfer. Hein? Arrivé là-bas en enfer, les démons vont encore prendre l'épée. Et faire comme ça. Ton âme, dans le sang de l'âme, va te guérir.
ta robe sera blanche. Et quand tu te retrouves au portail du ciel, oh, là, les anges seront envoyés pour venir t'accueillir. Et Jésus lui-même va se tenir au portail. Il va dire, mon fils, viens. Et viens, il va t'embrasser. Et il va t'amener dans son royaume. Il va commencer par danser avec toi. Il va commencer par sauter de joie avec toi. C'est ce qu'il veut pour toi, mon frère. Oui, Jésus Dieu nous aime. C'est ce pour ça qu'il a versé son sang. C'est pour ça que tu dois le craindre. C'est pour toi que tu dois l'aimer. Et si tu l'aimes, tu dois fuir le péché. Tu dois avoir du dégoût pour le péché. Je me dis en vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue l'âme. Le péché ronge l'âme, c'est une gangrène. Alors, pour nous sauver de ce fardeau de péché, le Seigneur, il s'est offert en rançon à la croix. Il a pris notre place. Oui, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé. C'est ce que Ésaïe 53, verset 4 à 6. Ésaïe 53, cependant, Hanjo, Ésaïe 53, verset 4 à 6. Nous, Mocho, il y a mis ton lacin à Banwe. Edida, voilà. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Bon, midele kavedodo mawe to. Midele kavedodo mawe to tonisi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Midele mawe sin alawetje un to obodo unya sin. Lo. Mais ouais mitonle ouwe. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà, et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé pour Dieu. Jésus a tout souffert à notre place. Jésus m'a fait tout souffert à notre place. Alléluia. Donc, nous devons savoir que ce sacrifice est cher. Il a pris nos bagages. Il nous a transmis son fardeau qui est ferme, léger. Alléluia. Alléluia. Et nous devons être reconnaissants. Et il veut réellement que nous venions à lui. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 1, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Il est prêt à nous donner du repos. C'est pour nous donner du repos qu'il est mort. Alléluia. Il est mort. Pour que nous ayons du repos, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons en sécurité, pour que les sorciers ne nous embêtent plus. Alors, celui qui est conscient de l'esclavage de péché dans lequel il était hier et qui vient d'être sauvé, déchargé de ses fardeaux, ne doit plus jamais chercher à retourner dans ses esclaves. Alléluia. Maman, tu étais en prison, condamné à mort. Allô, capame. Et quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu. Le quoi? Pour dire, ma fille, prends tes bagages. Papa, c'est un tortue.
rentre à la maison. Oui. Moi, je vais rester ici. Il y a un bon le fou, je vais rester à la prison. À la prison ici. Si tu rentres à la maison, est-ce que tu vas encore faire la même chose que tu avais fait pour aller en prison? Tu vas pas faire ça. Ah, il fait beau en prison, non? Oui. Hein? Alléluia! C'est ce que Jésus veut de nous. Jésus, vous étiez, nous étions esclaves du péché. Nous étions dans la prison du péché. Ligotés, enchaînés. Et nos âmes souffraient. Jésus-Christ est venu dans la prison. Et il a pris notre place. Et il nous dit, rentrez à la maison. Vous êtes acquittés. Tu es acquitté. Alors que tu étais condamné à mort. On te dit maintenant, tu es acquitté. Tu es gracié. Et on te libère. Tu vas retourner encore à la maison. Et le lendemain, la même chose que tu avais fait pour aller en prison condamné à mort. Tu vas encore faire ça. Qui va encore faire ça ici? Alléluia. Amen. Mais depuis que tu es sauvé du mensonge, pourquoi tu n'as pas cessé de mentir? Depuis que Jésus t'a sorti de la prison de la colère, pourquoi est-ce que tu continues de vivre dans la colère? Depuis que Jésus t'a sorti de la médisance, des querelles, des disputes, pourquoi est-ce que tu continues toujours de vivre dans ces péchés-là? C'est comme si tu ne connais pas la valeur du salut qu'il t'a donné. On t'a libéré. On t'a libéré gratuitement. On t'a gracié. Mais tu continues toujours de vivre dans les mêmes péchés. Attention. Alors celui qui connaît réellement le prix de son salut doit marcher désormais de nouveautés. Comme un vrai racheté, il doit mener une vie pour plaire à celui qui a pris sa place à la croix, à celui qui l'a sorti de la prison, à celui qui l'a sauvé de la mort, ainsi celui qui est racheté de la vie. De la fornication, mais il décide ne doit plus retourner dans la fornication. Et ça l'est comme ça. Celui qui est racheté de la vie de délinquance, mais il décide ne doit plus encore retourner dans la délinquance. Et ça l'est comme ça. Celui qui est racheté de la vie de mondanité, de Jézabel, mais il y a un grand bel ancien à fond de toi. Ne doit plus retourner dans la vie de Jézabelisme. Et ça aussi, c'est vrai. Alléluia. Mais il doit chercher à plaire. Il doit travailler davantage à plaire à son libérateur. Celui qui a reçu le salut véritable ne doit plus donc s'amuser avec son salut. Il doit accepter. Le sauveur doit accepter mourir avec son sauveur pour être ressuscité. C'est-à-dire crucifier sa chair. Abandonner les choses du monde, les péchés qui font plaisir à ta chair, les choses qui font plaisir à ta chair. Il faut savoir que c'est des choses qui rongent ton âme. Donc tu dois abandonner ça. On avait déjà parlé des passions ici, des désirs impurs, toutes ces choses-là, ça ronge l'âme. Alléluia. Apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi en Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc le chrétien doit vivre pour Christ et par Christ et en Christ et non dans la chair.
Alléluia. Parce que la chair doit être crucifiée. Celui qui est né de nouveau a déjà crucifié la chair. Mais mon frère, si tu n'as pas crucifié la chair, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que Jésus a pris ta chair pour crucifier avec lui. Donc si toi tu vis, tu ne vis plus pour la chair. Alors le racheter doit conserver son salut avec grand soin comme un trésor de grande valeur et ne doit plus vivre comme par le passé. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Il est écrit car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc tu ne dois plus livrer ton corps au péché. Ton corps n'est plus corps de péché. Tu ne dois plus utiliser ton corps pour faire la publicité à Jézabel en portant des choses cesses, des choses bizarres. Alléluia. 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 Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Donc si Jésus vit en toi, Jésus nous peut le faire. Et tu continues de vivre dans le péché. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le mépriser. Alléluia. Imagine, tu invites le président de la République. Qui est venu chez toi à la maison. Et il est assis dans ton divan. Et le guéridon est là. Tu as installé de nourriture. Et il s'apprête à manger. Et qu'est-ce que tu as fait? Les enfants ont fait caca dans la peau. Et tu es venu déposer ça sur le guéridon. Hein? À côté des nourritures que tu lui as présentées. Tu as amené des caca en peau et tu as déposé sur le même guéridon. Et les mouches ont envahi. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? C'est mon S'il se lève, il ne va même pas te dire au revoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous faisons. Si nous avons Jésus en nous et nous continuons de vivre dans le péché, alors que lui il est saint. Regarde, tu invites un grand homme dans ta maison, il est bien habillé, chargé. Et tu vas aller prendre de l'huile rouge. Qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Tu le méprises. Donc toi qui as Jésus dans ta vie et tu t'amuses avec le péché, voilà comment tu es en train de traiter Jésus. Comment tu es en train de le traiter? Et si tu le traites ainsi, tu es en train de détruire ton âme. Alléluia. Donc tu dois vivre dans la réponse. Donc si tu connais le prix que ton salut a coûté, tu ne vas pas t'amuser avec ce salut-là.
Je vous le dis. Je vous le dis. Le sang de Jésus là. Jésus, ça sort. C'est précieux. Regardez. Une soeur au Congo. Dans la semaine, on a échangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, comment dirais-je, une femme de son frère, je pense. Levez-toi ici. Est en état et à terre. Donc, on l'a amené à la maternité. Donc, elle doit coucher. Mais il est arrivé que une complication est rentrée dedans. Or, cette femme, on lui a parlé de Jésus quand elle était en bonne santé. On lui a parlé de Jésus. On lui a demandé d'enlever les choses de Jézabel. On lui a demandé d'accepter Jésus. On lui a tout dit. La sœur lui a tout dit. Donc, elle est allée à l'accouchement. Et Dieu va envoyer un évangéliste qui passe d'hôpital en hôpital. Dieu va envoyer quelqu'un du genre jusque vers lui qui allait lui parler. Et le message qu'il lui a prêché, c'est comme si Dieu veut réellement qu'il soit sauvé. Qu'elle soit sauvée. Parce que sa mort était déjà quelques heures. Mais elle-même ne sait pas. Mais on lui a tout dit à cette Jésus. Jésus. Mais en ce moment, où sa mort est à quelques heures, qu'elle-même ne sait pas. Qui est ici qui va me dire qu'il sait le jour qu'il va mourir? Mais le mec va te dire, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure. Qui va me dire que c'est l'heure à laquelle il va dormir ce soir? Qui va me dire que aujourd'hui là, moi à 0h pile, moi je suis dormi? Qui va me dire ça ici? Qui va me dire ça ici? Tu ne connais même pas l'heure à laquelle tu vas dormir. Et tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu vas te réveiller. Encore pire, tu ne connais pas l'heure à laquelle la mort va intervenir. C'est pour ça que nous devons mener notre vie au jour le jour dans la crainte de Dieu. Cette femme, malgré qu'elle a toujours refusé d'accepter Jésus, même à la dernière minute, Jésus va encore lui envoyer quelqu'un qui prêche. Et le message que la personne lui a prêché, la personne lui a parlé de l'enfer, du paradis, de l'enlèvement, de la vie après la mort. C'est que le message urgent dont elle a besoin d'entendre. On lui a tout dit. Et quand la personne est en train de prêcher, la soeur qui m'a rapporté, la soeur a dit que tellement, elle était tellement contente que elle a dit au monsieur, est-ce que tu me permets que je place un mot? Voilà. Et elle va encore reprendre tout ce qu'elle lui avait déjà dit. Rappelle-toi tout ce que je lui ai dit. Que l'enfer est réel. Si tu meurs sans Jésus, où est-ce que tu vas aller? Jésus me voit là, il se met. Donc il a encore parlé. Malheureusement, elle n'a pas pris un mot dedans. Elle remet toujours après. Après. Vous savez ce qui arrive? Elle a accouché l'enfant. Mais elle est rentrée dans complications. Elle est morte. Alors qu'elle ne sentait rien d'anormal. Elle était bien portante. Elle n'a jamais imaginé. Mais quelques heures avant sa mort,
on lui a parlé tellement de repentance, tellement de Jésus, tellement de l'enfer, le paradis, et il suffit simplement qu'elle accepte pour dire, ah, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus commettre dans le péché. Je ne vais plus tomber dans le péché. J'enlève les choses. Les boucles d'oreilles, les mèches, j'enlève tout. Elle a encore. Elle a son cœur. Elle a rejeté le message. Si elle va en enfer, tonton, est-ce qu'elle va dire que Jésus est méchant? Mais quand ils ont dit, Jésus, il y a un mot. Hein? Regarde, à la dernière minute, on t'envoie. Il est seul, il ni Jésus, c'est pas est-ce que tu connais ta dernière minute? Est-ce que tu connais la dernière minute que Dieu t'a donnée? Personne ne connaît ici. C'est pour ça que chaque minute, tu dois considérer ça comme ta dernière minute. Chaque jour, tu dois considérer ça comme ton dernier jour. Ton probable dernier jour. Chaque moment, tu dois considérer ça comme ton probable dernier moment que Dieu peut t'appeler. Je me souviens, un moment on allait à la plage pour aller évangéliser. Et en ce moment, j'allais pour faire projection. Quand on va quitter Sénégal, on va venir faire ça ici au nom de Jésus. Alléluia. Et je ne parle que, je ne montre que les choses, l'enfer, le paradis. C'est le seul message que moi je connais où. Alléluia. Voilà. Parce que c'est de ça que l'homme doit connaître sur la terre. C'est parce que les hommes ne connaissent pas ça que l'homme vit sa vie dans la pourriture. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Même dans les églises, les gens ne prêchent pas sur ça. Si toutes les églises, chaque dimanche, parlent de l'enfer, le paradis, le danger qu'il y a à l'enfer. Les cœurs, il y a longtemps, les cœurs seront brisés. Mais les gens ne vont pas passer leur temps pour prêcher sur les choses qui ne peuvent pas sauver l'âme ni remplir les entrailles. Et donc moi je ne parlais que de ça. Et il y a un frère qui est venu, un monsieur qui est venu avec son frère. Et on a parlé le jour là. On a parlé. J'ai prêché sur l'enfer. J'ai montré les images de l'enfer. J'ai montré. Et lui, il dit que quand je parlais, lui tremblait. Et à la fin, quand j'ai lancé l'appel, lui, il est venu. Il est venu. Et il a confessé Jésus. Il a demandé pardon. Et j'ai dit, ah, le dimanche prochain, je serai encore là. Hein. Et son frère n'a pas accepté. Son frère qui était venu avec lui à la plage. Il lui a dit, mon frère, pourquoi tu n'as pas accepté? Non, c'est le temps. Et donc, le week-end qui a suivi, le vendredi, il va aller prendre une copine. Je vous dis, on a parlé ce dimanche et le week-end suivant, dans la même semaine, il a pris une copine et il a mis ça sur sa moto et ils sont allés à Bomé en week-end. Il est allé traiter sa copine. De retour. Quand il aime, sur le chemin. Quand il aime. Camion. Ce que moi, ton bébé, du fils. On a parlé de ce dimanche. Le dimanche suivant.
Je suis encore revenu à la plage. Et quand je parlais, il a pris le doigt pour dire. Tu me permets de parler. Mon Dieu, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est avec des pleurs. Ce que tu dis, c'est vrai. Le dimanche passé, je m'étais donné. J'étais venu avec mon frère. Mais je lui ai dit, viens, on va se donner. Il a dit, non, il n'est pas vrai. Je vous dis, hier, on m'a appelé que il est allé à Bomé avec une copine. Et ils ont fait accident. Les deux sont morts. Vraiment, ce que tu dis, c'est vrai. Je veux obéir à Jésus. Ne vous abusez pas. Avec votre âme. Je vous demande pardon. Si tu quittes cette terre-là, il n'y a plus rien à faire. Je vous dis la vérité. C'est ce corps dans lequel nous sommes. C'est la même idée. Ouais, comme la chemise que j'ai portée là. C'est comme ça le corps. Tu comprends? Le corps, c'est une enveloppe. Que tu as pris pour couvrir notre esprit. Donc, quand tu meurs, cette enveloppe-là, on va creuser. 1 mètre sur 2 mètres. Il te met dedans. On met ton enveloppe dedans. C'est comme si c'est cette chemise on a mis dedans. Et quelques jours là, ça devient poussière. Les vers qui vont te ronger là, ils sont déjà dans ton corps. Quand tu mets là, une semaine après, on vient pour enlever. Oh, les vers déjà tout terminé. Mais il y a quelque chose en toi. Qui ne meurt pas. Dieu a mis là. Et lui va rendre compte de tout ce que tu as vécu sur terre. Si tu ne crains pas Dieu, si tu t'amuses avec ton sang, si tu viens ici pour dire, oh, à Savary, ça, il va pour le bonheur de beaucoup. Il va pour le sous pour moi, mais je crée. Moi, pour moi, je crée. Moi, je crée. Si tu banalises le salut que Dieu t'a donné, je te dis la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité sur la terre. Et regarde, dans ce coin de Zapota, et Dieu a fait descendre la lumière dans cette brousse-là. Est-ce que tu vas t'amuser avec cette lumière? Jésus-Christ a dit, si les miracles qui parlaient aux enfants d'Israël, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, si ces miracles ont été faits à Ninive, oh, les gens allaient se repentir rapidement. Si ces miracles ont été faits à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps, les gens de Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Je vous le dis, la grâce que vous avez eue là pour découvrir le groupe Jésus revient. Je vous dis, il y a des gens en Afghanistan qui ont besoin aussi de cette grâce. Mais je ne sais pas s'ils vont en trouver. Je vous dis, il y a une dame. Elle a quitté Algérie. Elle est passée par Burkina Faso. Elle est venue jusqu'à chez nous. Elle est actuellement chez nous. Elle est musulmane. Mais quand elle est tombée sur Jésus, revient TV. Elle a abandonné tout ce qui est islam. Elle a enlevé son voile de bouka, quoi. Et elle s'est donnée à Jésus. Quelqu'un est en arabe. Mais Algérie, là, quand tu gardes la Bible en main comme ça, on t'attrape là, on t'égorge devant tout le monde. Elle a été le peu qu'elle a écouté, elle s'est accrochée. Au moment où je vous parle, des gens sont dans un coin, dans une brousse au Cameroun. Elles sont connectées à Jésus revient.
Parce qu'ils ont découvert la lumière. Ils sont vivants comme ça. Et la lumière de Jésus-Christ est apparue. L'évangile authentique qu'ils ont besoin d'écouter, d'entendre, pour que leur âme soit sauvée. Ils sont vivants comme ça. Et toi? Tu n'as rien payé. Tu n'as rien fait. Et Jésus a amené ça jusqu'à toi physiquement. Acclame pour ce Jésus. Alléluia. Maintenant, si tu banalises, regarde les autres, ils n'ont même pas vu physiquement. Certains ont vu seulement sur écran. Et ils ont cru. Et le dimanche même, ils se regroupent devant leur télé en train de suivre Jésus revivre comme ça. Quand on commence à prier, eux même prient avec foi. Mais toi, tu nous as vus physiquement. Et on est en train de prêcher le salut devant toi. Physiquement. Entre celui qui n'a pas eu la grâce de nous voir physiquement et qui croit. Et toi qui nous as vus physiquement, on est venu plusieurs fois prêcher. On a envoyé plusieurs serviteurs de Jésus. Reviens ici. Prêcher pour toi physiquement. Et tu banalises. Quand la trompette va sonner, entre toi et l'autre qui ne nous a pas vus. Mais vous voyez, c'est pour ça que Jésus a dit, celui à qui on a donné peu, on va lui réclamer peu. Mais celui à qui on a donné beaucoup, on va lui réclamer beaucoup. Zakota, on va te réclamer beaucoup. Parce que tu as tout reçu. Tu as écouté le message du salut. Tu sais désormais comment faire pour aller au ciel. Tu sais que c'est Jésus qui est le sauveur. Et tu sais que si on marche avec Jésus, on doit vivre dans la sainteté. Selon la sainte doctrine. Selon la vérité. Dans la pureté de cœur. On va se dépouiller des choses du monde. Tu connais maintenant tout ça là. Entre toi qui connais ça et celui qui ne connaît rien de tout ça là. Alors, veille sur ton âme. Donc, tu as les doctorés. Le salut que Jésus t'accorde. Et on c'est précieux. Jésus n'a rien quoi. C'est précieux. Et quoi. Si on vous dit, va au CNH pour voir. Les gens qui ont des millions. Toi, tu es en paix ici. Le FIFA, et Jésus t'a encore visité. Le fait, le mot, et tu as la bonne parole que tu es en train de déguster. Et quand tu finis encore, tu vas retourner à la maison. Et tu vas encore commencer par insulter ton mari. Toi, Jésus revient. Jésus revient, mais il y a un Jésus revient. Ton mari te parle. Il dit, tu as déjà dit million. Attention. Attention. Même le petit injure que tu portes même sur ton enfant. Et moi, je vais te faire de l'autre vite dit. Tu dis à ton enfant mon dieu, il est là. Comment il marche? Il est que, oui, la photo. Tu as fait ses pieds. Tu es en train d'insulter son dieu. Alors, maman, ton zoé. La Bible dit, mon colo, au jour du jugement,
Or, chacun rendra compte. Mais le colo de toute parole vaine sortira de sa bouche. Car par des paroles, tu seras condamné. Par des paroles, tu seras justifié. Le Seigneur Jésus vous fait. Jésus m'a nommé. C'est pour ça qu'il veut vous voir à part. Il veut vous voir. Il veut vous voir différent. Il veut vous voir différent. Votre caractère doit être différent. Votre comportement doit être différent. Et depuis son trône. Baisse là, c'est pour ton Dieu. Va te doiter. Jésus n'a pas de droit. Oui, je suis la terre. J'ai quelqu'une. Oh, j'ai une fille qui me craint. Comme il a dit de Job. Oui, il a dit à Satan. Satan, regarde sur toute la terre. Je sais que tu as parcouru la terre. Mais j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Il me connaît. Tu peux tout faire. Lui ne peut pas me trahir. Regarde Job. Tu as vu mon fils Job? Est-ce que Jésus est aussi à l'autre d'accord? Jésus, est-ce que je peux te dire une toi? Peux-je te dire ça? Maman. Compter sur toi. Jésus c'est ou non? Fit-on dit? Aussi à l'autre d'accord à ouvrir nous qu'on a ouais qu'on a trahi mieux. Est-ce que Jésus peut faire ça? Peut compter sur toi. Est-ce que c'est à l'autre d'accord mieux? Maman, est-ce que Jésus c'est où nos filles t'ont dit? Bon, on doit dire les mebi très doux. Go voilà ça, go si mais. Ben on a basé pour les biens très forts. Go vite nous au bout. Mebi très yo. Et il y en a non. Go ça. Est-ce que c'est bon pour le côté si ouais? Autre huit nous debout. Et là nous avons nos astronomes. Jésus c'est à l'autre comme moi. Mais n'a rien à dire à l'autre qu'on a le sa vie. Combien? Je me bibé là. Acclamé pour Jésus. Alléluia. Nous avons si vous dire à l'autre qu'on nous est à l'autre. La soeur est à l'autre. Et il nous faut t'attendre. S'il ne peut pas compter sur toi, ça veut dire que ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, est vain. Alléluia. Et donc, si on a il doit pouvoir compter donc, sur toi. Donc, présente-toi et donne-toi un honni. Et pour le temps, et on a un mot à ouvrir, après d'un caca, à se couper Pierrette ou à. Il veut. À d'un caca, à se couper Jeanne ou à. Il est Jeanne Galimosa. Mais quand Jeanne ouvre. Hein? Jeanne, vous avez. Hein, Jeanne? Oui. Hein? Comment tu t'appelles? C'est pas elle. Alléluia! Amen. Adam Kaka! Tu peux tourner. Il va dire Alléluia, tu peux tourner. Assis-vous, bloc-moi, debout! Tu peux tout faire. Oh, Étienne. Hello, Mahodo. Étienne, prêche la parole de Dieu. Bam! Il a été lapidé par la pierre. Il continue d'annoncer l'évangile. Bah! On a encore lapidé. Bah! Lapidé. L'eau est pour moi. Là, il continue d'annoncer l'évangile. Hein? Il y a un gros nabi à carrière de Jésus. Combien de pierres peux-tu supporter? Hein? Pour le compte de Jésus. Ah, des mèches, pour les tomber. Bah, sous-toi, on s'en a ma faute, toi, d'être au filet, hein? Ah, donc, au gros, gros, gros. Et puis, ton mari dit, je ne veux pas. Alors, il y a un coup d'œil, il n'a pas de budget, mais il y a un coup d'œil. Je vais le laisser.
Parce que hein. Alors bon, ma soeur, aidez-moi, ma soeur, mais ma soeur, moi, aidez-moi. Alors, soutiens ma mère. À soutien, ben. Oui, mon mari a refusé de venir à l'église. Et tu obéis. Moi, j'ai fenêtre au sommet ton si roulé. Arrive, moi, j'ai fenêtre si arrive roulé. Au seuil de l'enfer. Hey. Alors, mais souvent, ouais. Chaque seconde que Jésus t'accorde, considère ça comme la plus grande miséricorde qu'il te fait, la plus grande grâce qu'il te fait. Ne vis pas ta vie dans la poubelle. Vis ta vie de pureté. Tu es dans une maison là. Il faut savoir que tu es comme une lumière. Quand Jésus te voit sur son trône, il voit que ah, j'ai une lumière dans cette maison. Ta lumière doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Tu dois partager l'amour de Jésus autour de toi. C'est ça la différence. Il veut te voir différent du monde. Jésus vous aime tellement. Jésus nous aime tellement. Quand il nous voit, c'est avec un amour qu'il chérit. La grâce qu'il nous fait, c'est avec un grand amour. Dis-toi que tout le monde peut abandonner Jésus. Mais toi, tu viens dimanche, tu as vu que c'est 8 personnes. Dimanche, tu pensais, ah, comme le serviteur Israël ne vient pas, c'est devenu saint. Dimanche. Toi, dimanche, c'est devenu toi. À confier. Il est très sorti, donc il y a. À confier. Il me descend comme ça. Il me bien au lit. Il est bien, nous, les mêmes, il y a un bébé. Il est dans ton bébé. On a mis à ton bébé. Il est dans ton bébé. C'est la parole de Dieu. Bah, tiens. Ma toto bi aboto ino chan mi sin. Je ne pose pas les mots. Ça, les gens. Oh, ma toko la. Oh. Ça, collant les gens. Non, mon long fouda. Je suis obligé. Hein? Fais-tu oui, oiseau, on doit venir. Mes oncles sont loin, c'est pas je vais de l'air. Oui, t'as fait, moi. C'est toi qui as fait, non? L'angle. Nous tous les frères oiseaux, mais nous allons le rouge à lèvres. Ah, après ça, tout est oui. Les oiseaux, mais nous allons la peau. Pourquoi je mets d'éclaircies. L'eau a surtout est dormi, mais faut pas barrer. Parce que mon mari veut d'être clair. Ah, à ça, moi, on a surtout. Tu sais, tu es bien vu devant ton mari. Et devant Dieu. Ah, ah, ah. Ah ouais, et ma tombe dans mon dieu, je ne peux pas soutenir en bas. Je ne porte pas les tenues sexy, je suis mes maris n'aiment pas. Moi, je suis un bon ou bien aigué. Anasi, vous le remouez ça, moi. Tu peux dire ça devant un bon adhésion, pour t'en sortir. Et n'a pas, ouais, ça peut, tu peux gagner dans ça. Tu peux t'en sortir. Je lève votre jour. Donc, la repentance. Ça, ça a été dit. Aujourd'hui, oui, Seigneur Dieu. Ce que tu entends. Voilà, d'ailleurs, tu me. Écris. À moi. Le roi d'Ovo. Hier, on a fait filmer. Moi, on a tombé dans le fils filmé. Aujourd'hui, je dis. D'abord, et dans moi, nous, il est aussi. Moi aussi, je dis mal. Nous, on a dit.
Quand je tombe le cou à la parole de Dieu, no problème. J'ai de problèmes. Nous avons oublié d'où il était mais non problème. Viens dans aide à nous dans Ewo. Mais on dit oui, je dis non. No problème. J'ai de problème. Bon, bah pas et on allait vers où? Et ma chérie sera encore plus. Mais puis. Donc plein de mes bis. Parce que je veux rassembler. Mon gars, t'es bien miné. Et où est-ce qu'on en a t'es bien obédé à? Moi, ma maman doit faire un autre obédé à. Ce n'est pas que je ne vous dirai jamais. Alléluia! Amen. Mais nous, on a le fils. C'est quoi la vie ici? Et on a le fils. On a écrit ici. Bon, y'a Hanmi. Bon, donne-moi. Bon, timène-moi. Je vous ai montré. Bon, mais non, et vous avez dit non. On est si intime. C'est trop dur. Et Philippe, les bêtises. Trop dur. Et Jésus, donc, tu es roi. Bélé, les dodges. Quand le Seigneur commence à parler. Tu nous mets dans la bio, c'est pour tout, mais on. Tant que quelqu'un d'entre aussi. Mais on doit nous. On tient. On a le droit. Pas ça, tu vois. Et là, tu vois, oh, à fait ça, bientôt, mais. Hein? Et nous, là, toi! Il y a le roi de la mer. Et nous, là, nous, roi de la mer. Et nous, là, nous, roi de synthétique. Nous, roi, la parole. Basse à ton. Parole, c'est cher. Et nous, là, nous, roi. Tu dois manger. Nous, là, nous, en dédié. Et vivre selon la parole. Et ton est bas. Ils ont commencé à se disperser. Et j'ai dit. Et j'ai dit. Y'a même un peu, roi de la goutte de temps. Le monde qui l'a. Ouais, non, ma paix. Voilà ma au gravier de poisson. Les mêmes bicots font du jour. Commencé à se disperser. Mais à quoi les mêmes ouvriers restaient les douze. Les regarder. Voilà mes derniers. Il dit mais qu'est-ce que vous attendez vous? Oui oui bien. Bien parti. Bien alors. Tu as dit. Mais bien très même si tout le monde s'en va. Bien y a. Non y a. Mais quand Kaï, c'est Kaï, c'est Robertonné. Je peux entendre la parole de Dieu, la parole vivante. Le Roberton. Parce que la parole vivante. Oui, Ali, donc, il est ton cadeau Roberton. Mon âme a besoin de la parole vivante. Est-ce que Ali, ton cadeau Roberton, c'est pour toi? Mon âme a besoin de la parole vivante. À bout de gueule, ça coûte ta fille, bon, dimanche, alors, on peut s'y aller. Donc, est-ce qu'on rebête en l'eau finie? La parole de vie, c'est la question. Ouais, car le fito, bon, rebête en abattu, oui. Tu es tranquille, la parole de Dieu. Bah, et à nous, c'est le père, mon bien, c'est votre meilleur, et nous, dis-donc, moi. C'est le point de pointe au ciel, on te l'a dit. Nous, à négligé, oh. Tu négliges. Nous, à zéro, je m'en fous, mais oh. Si tu t'en fous, t'en fous. Contente-moi, au roi, caro. La parole de Dieu. Et là, Franou, et Ézéchiel, toi. Merci, verset 17, 3, 19. Oui, bêteur. Eh. N'a sans, oui. Autant. N'a sans, oui, mais tchoto. Mais tchoto. Voilà, sentinelle. Voilà. En annonce, holo, l'outil. Voilà. Holo, mao, homme. Bon, 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 bon. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bon, non, non, non. Bon, non, non. Dès le boudon, il est tiré. Ma jolie. Attends, on finit déjà, d'accord? Hein? Bon, non, il y en a ton ouélo, la diawa. Bon, il y en a ton ouélo, la diawa, sans boudon, le sommeil. Et c'est ton outil. Bon, ma donne. Bon, il y a ton ouélo, que. Ah! Et nos becs, nous allons entendre fort. Bédé volait le bout de temps. Il me laisse la parole pour que je vous annonce que après cette vie, il y a encore une autre vie. Mais dans nos minutes, ben yomé, à quoi on faut aller, il y a date d'imbalou. Ceux qui vous disent qu'après cette à quoi vous avez l'eau est perronne de vos bédés. Après la mort, notre vie commence. Dans nos minutes, à quoi on faut aller. Si tu ne meurs pas fini. Aïe, refou, amen. Si tu ne meurs pas fini. Ah, bazar, refou, amen. C'est ça qui n'est pas la chair. Le refou d'Aro, amen. Dans l'esprit, ça commence. À coup. Si tu meurs. Bon, ma de titan, ben, de Jésus, mais en refou, amen. Le refou, amen. C'est là où tu commences encore le problème. C'est le début du commencement même d'une autre aventure. Venez-vous, ben. Je te dis. Et où est-ce que c'est? C'est vous, c'est vous.
Regrettons la parole de vie. C'est tout nous tient maintenant. Malanoui. Je te le dis. Alléluia. Amen. Gleno et ton aïkou badagbe et dija et nous comptons des. Et yazen nous comptons le même pour nous. On a remis seulement la semaine. Eh, ito. Bon, Dieu nous a nous comptons de quoi? N'a tiens d'agbe la semaine. Moi, donc, nous y en l'air. Si je veux faire la semaine. Je ne veux pas faire la semaine. D'agbe et mes pères. Ce qu'il a remis, c'est ça. Et ouais, là tout. Que je mets. Azo, ils ont bien. Eh, nous. Nous méditons Amado koni bonu e wuzu dijo Amado homo e dia dijo bonu e wuzu dijo bonu pe a boku do weton le bonu e ma dia dijo do pe wonu ton a bo e ku do yan do ton me o bo a ku do to gbe la me o a ku do jezabel si nu le me o we were na kan cho ho ho nde me a Et dans nous, nous sommes bon, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les Donc, nous sommes tous les mêmes. Bon, et tout le monde, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Bon, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Mais sans nous fille. On va dire au pasteur là, celui à qui on a fait. Là, c'est vrai. Et s'il peut supporter, c'est pourquoi je dois dire la Amon eh. Nous, regardons, nous, et ouais, et ouais, et de l'année. Nous, et nous, tiens les queues. Si tu leur dis ça. Nyewa. Oh non, nous, les oignons, amen. Nous, les oignons, toi, amen. Nous, les oignons, amen. Nous, les oignons, amen. Nous, les oignons, amen. Nyeton, et d'eau. Mawa, pour d'eau. Eh. Allez dans tout le biome. Alléluia. Amen. Nous regrettons. Et le lit pour la nuit. Français. Oui. La parole de Dieu, la vérité, Jésus m'a chargé de vous le dire. Et je donc, je l'ai prêché. Alléluia. Amen. Donc, si tu meurs dans tes péchés là, il n'y a plus rien de toi, mais on ne va plus dire à Jean Gracier. Jean Gracier. Et ça, non, je t'ai sauvé. Je t'ai lavé. Mais oui. Je t'ai envoyé à Zapota pour leur dire de se repentir, d'abandonner tes choses. Et arrivé là-bas, tu as prêché ce que tu veux. Tu as prêché la chair. Tu as prêché prospérité. Tu as prêché sur le mariage. Tu as prêché sur percée financière. Mais tu n'as pas dit. Que le péché c'est un poison qui conduit en enfer. Il y a deux lignes où nous donnons assis de nous remettre le sommeil, mais à l'heure n'est pas. Hey! À l'heure n'est pas. Peuple de Dieu, voilà la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est ma seule mission. Partout où je vais, c'est ce que je vais dire. Si je vais en Chine, Hong,
Alléluia. Partout je vais sur la terre, c'est le seul message que je vais me passer. Je ne connais pas un autre message. Mais toi qui as reçu, si tu mets ça en pratique, ça va te donner la vie. Ça va te sauver la vie. Ça va te libérer. Ton nom sera effacé du livre de l'enfer. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc nous allons lire le livre de Jacques pour finir. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 10. Enfant. Il est écrit. Non, 22. Chaque premier 22. Ah ben, verset 22. Et n'est-ce pas toi, mini John Wayne n'a rien, mais vous dites, puis, abandonnez. Tout ce qui va souiller votre vie, abandonnez. Votre vie. Votre âme, ne vous laissez plus corrompre. La parole que le Seigneur a pris, a mis dans notre cœur, que nous sommes venus vous prêcher là, il faut le prendre avec douceur, avec joie. Il ne faut pas le prendre avec murmure. Parce que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Donc toi qui écoutes ces choses, et dans ton cœur, tu es en train de murmurer, c'est que tu es en train d'empoisonner ton âme. La parole dit de prendre le message avec douceur, avec joie. Si tu es en train de manger un plat rôti, avec poulet rôti, riz, tout ça là, tu manges ça avec appétit. C'est comme ça, quand tu manges la parole de Dieu aussi, tu vas le manger avec joie. Alléluia. Donc, c'est la parole qui va te sauver. Vous entendez? Celui qui l'écoute seulement est en train de se tromper lui-même. Il ne trompe pas Dieu. Il se trompe lui-même. Celui qui est dans la fornication. Et on parle. On dit tout. Abandonne la fornication. C'est pas bon. C'est péché. Tu tues ton âme. Et tu entends seulement. Ça ne te dit rien. À partir de lundi. Ou bien même quand tu rentres à la maison, tu vas encore prendre ton portable. Tu vas dérouler. Ah, Jonas est là. Tu l'appelles. Jonas, j'ai besoin de crédit 200. Tu peux m'envoyer crédit 200 là. Il t'envoie crédit 200. Il t'a envoyé crédit 1000 francs. Et le soir, il va t'appeler. On peut se voir dans le coin là. Tu vas aller te présenter. Tu vas coucher avec lui. Tu es en train de ronger ton âme. Tu es en train de tromper toi-même. Tu ne trompes personne. Tu ne trompes pas celui qui prêche. Tu ne trompes pas Dieu. Mais tu trompes toi-même et ton âme. Hein? Voilà, tu dois mettre la parole en pratique. Celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique. Miroir. C'est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. Et qui se voit tel qu'il est. Alléluia. Quand il se finit de se regarder, il part. Et il oublie même tel qu'il était. Alléluia.
Tu vas y venir. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, enfant, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la sainte doctrine, la parole de la vérité, de la sainteté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son attitude. Alléluia. Vous avez compris? Donc, on a déjà prêché. Mais toi, ce qui te revient, moi j'ai joué ma part. La balle est à ton camp. Ce que toi tu as fait, c'est de la mettre en pratique. Si tu es content pour ce message, tu vas te lever et acclamer Jésus. On a entendu la parole. Tu dois t'en voir. Tu as dit si c'est ton corps, mais celui qui a écouté, il a mis en pratique. Seigneur, j'ai écouté ta parole. À l'instant même, aide-moi pour que je mette ça en pratique. Aide-moi à mettre ça en pratique. Prie maintenant. Nous avons entendu que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus, j'ai vu la douleur que tu as fait pour ma vie. Le sacrifice que tu as fait pour moi. Ça ne doit pas faire jamais. Je dois bénéficier jusqu'au ciel, je dois me bénéficier. Aide-moi pour que je puisse bénéficier. Seigneur, ne sera jamais vain, je refuse. Je dois rentrer en paix ici. Tout ce qui est en moi.
qui va m'amener à l'enfer. Sommet bien dormi seul. Qui va m'amener à l'enfer. C'est pour me montrer à l'église. Et quand je viens à l'église, je fais semblant d'être fidèle. Et quand je me retourne à la maison, c'est autre chose que je fais. Esprit d'hypocrisie. Il va m'amener à l'enfer. Je déclare qu'il sort à moi. L'Éternel frappe le maintenant. Toute alliance pour la domination du sommet, Toute alliance que mes aïeux ont fait. Et aujourd'hui, moi je souffre de cela. Et tu, car la parole de Dieu déclare. C'est nos parents qui ont mangé les fruits. Et c'est ça que les enfants et les enfants sont hérités de cela. Il y a des choses. Nos parents, nos grands-parents, et ils ont fait, ils ont tissé des alliances avec les démons. Et ces alliances, c'est ça qui nous fait. Mais cette alliance ne permet pas que tu sois respecté dans la parole de Dieu. Tu vas dire Seigneur, toute alliance qui sont tissées quand on a le foyer qui est en train de circuler aujourd'hui, je déclare, je brise cette lignée, que cette lignée soit brisée. Je brise cette lignée dans ma famille. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Enfant de Jésus. Je suis devenu enfant de Jésus. Jésus. Allez, nous rendons un cadeau de Allez,
l'heure où l'œuvre va sonner. Je ne sais pas quand mon œuvre va sonner. Nous avons dit que personne ne connaît l'heure. Je ne sais pas quand mon œuvre va sonner. Je ne sais pas quand le vent. Mais un jour, ça va venir. Ouais. Yes. Yeah. Il y aura un jour que ton œuvre va sonner. Seigneur Jésus. À l'heure où mon œuvre va sonner. Je veux dire, au revoir sur cette terre. Père. Et je vais venir sur le portail. Aie pitié de moi. 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 Pour finir, je vais dans le match que je suis, garde-moi. Amen. Au nom de Jésus, nous avons dit que nous avons dit Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour ma prière que tu aies aussi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Après, votre mythe de nous dire. Dieu nous prie, nous merci. Tu as dit n'importe quoi. Mais là, quand on est fou, jusqu'à la fin.
Parce que la parole de Dieu a dit la femme doit être soumise à son mari. Tout ce qui est ici. Il va se lever sur cette parole. Il va se lever sur la parole. Il ne veut pas se soumettre à son mari. Seigneur Jésus, que ton esprit Saint travaille en lui. Que ton esprit Saint travaille en lui. Parce que il va changer la vie de leur mari. Il va transformer le mari et le mari va témoigner que lui a donné. Là où il y a des dofis, qu'on vient mettre le mari. Parce que c'est un Dieu de fraîche. Tout ce qui est dans les maisons qui souffrent, je demande que les mamans et les papas vont retourner dans les maisons. Que ton esprit qui est reçoit le maintenant. Que la paix soit pour vous. Le dîner est temps. Amen. 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 Okay.